ולא נשלח על ידי שליח. שאז יש אחריות דרך נקדם אפניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים Les gens, ils croient comme ça, ils sont étonnés. Des fois, ils viennent sur plainte chez leurs enfants. Voilà, ils disent, mais pourtant, je ne comprends pas. Il était petit, tu sais comment il était tzaddik, il était tout petit. Tu le voyais comment il faisait sa prière, comment il faisait chaque chose et tout. Regarde-le maintenant, il est adolescent, regarde comment il est devenu, etc. Non, ce n'est pas parce que la méthode qui a été utilisée, elle n'est pas bonne. Ils ont utilisé une méthode de pression. Maintenant, la méthode de pression, il n'y a pas de problème. Vous avez un individu qui est faible. Et à côté, vous avez quelqu'un qui est fort. Celui qui est faible, il ne peut pas lever la tête pour l'instant. Donc il est obligé de se soumettre. Mais le jour où il va lever la tête, il va sortir ce qu'il avait lu à l'intérieur. Et vous allez voir que la plupart du temps, ça ne ressemble pas tellement à ce que les gens y pensaient. Et même les parents, ils ne pensaient pas des choses comme ça. Alors que celui qui ne s'est pas occupé du côté des midot, c'est-à-dire d'agir par pression, par pulsion, qui a essayé d'agir au niveau du moi, c'est-à-dire qu'essayer de faire grandir la personne dans son cerveau, c'est-à-dire que son esprit soit plus large, qu'il a fait monter, il lui dit, toi t'es un fils de roi, t'es un prince. Alors maintenant, quand on considère un enfant comme un prince, alors l'enfant, quand il va grandir comme un prince. Quand il va grandir comme un prince, il y a des choses que jamais il va faire dans sa vie. Pourquoi ? Parce que son esprit est large. Son esprit, il est large, il a des concepts larges. Maintenant, ça vient de parents. Il y a des fois des enfants qui sont sales et le père ou la mère, ils sont fatigués ou ils en ont marre, etc. Ils le laissent comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'enfant, il est sale. Ils le laissent comme ça. Ils disent, bon, c'est pas grave, il n'a qu'à supporter un peu, on changera, peut-être qu'on aura... Mais il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Parce qu'un enfant qui est sale... Il n'est pas bien, parce qu'un Ben Israël, une Bat Israël ne peut pas supporter d'être sale. C'est pas son inyam d'être sale. Elle ne peut pas supporter ça. Alors quand on le laisse comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait s'habituer à des choses qui sont avilissantes pour lui. C'est avilissant. Alors quand il grandit, il s'habitue à grandir en supportant des choses qui sont avilissantes. Alors que quelqu'un qui a été éduqué dans l'attention, dans la propreté, c'est quelqu'un qui supportera pas des choses avilissantes dans sa vie. Il va pas emprunter à quelqu'un de l'argent, il va le laisser comme ça, il va pas lui rendre. Parce qu'il dit non, c'est pas possible, on peut pas emprunter de l'argent à quelqu'un, on lui rend pas. C'est, on peut pas concevoir la vie comme ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la personne, elle a été... Qu'est-ce que ça veut dire élevée ? Qu'est-ce que c'est élevé ? C'est élevé, oui. En plus, c'est ça que ça veut dire élevé. Dans les deux sens. Élever un enfant, c'est ça veut dire le faire monter. C'est ça. C'est-à-dire, on l'élève. Parce que si on le laisse dans là où il est, si vous le faites grandir dans une forêt tout seul, vous allez voir, il va sortir comme un animal. Bien sûr. Parce qu'il n'y a que le côté animal qui va s'exprimer. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a des méthodes dans la Torah qui sont des méthodes où il y a des résultats immédiats. C'est-à-dire, c'est comme la boxe, vous avez des résultats immédiats. C'est-à-dire, une fois que vous donnez le percut, ça y est, c'est réglé, le problème il est réglé immédiatement. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Mais en tout cas, maintenant on a le calme. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à quand ? On verra. Mais il y a des méthodes qui sont beaucoup plus durs au point de vue midot, parce que les parents, ils s'investissent dans les enfants de façon ouverte. Alors ça prend beaucoup plus de temps,
Et aussi, des fois, c'est fatigant, parce que les enfants, quand ils s'expriment, c'est pas toujours facile pour les parents. Mais ce que vous avez gagné, c'est que quand il arrive à un certain âge, l'enfant, il est complètement dedans. Pas parce que vous l'avez obligé à quoi que ce soit, parce qu'il a compris qu'est-ce qui est bien. Ce qu'il faut arriver, la Torah elle nous dit, voilà, je t'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. C'est-à-dire, toi, tu dois choisir la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit choisir pour toi et te pousser pour que tu vives cette chose-là. C'est toi qui dois choisir. Tu dois choisir de façon consciente. Tu dois te dire, mais est-ce que c'est ça que je veux, Béhémeth? Est-ce que Béhémeth, la Torah, c'est ça que je veux? Ce n'est pas quelque chose, je me suis trouvé embarqué dans quelque chose, ou parce qu'il y a eu un événement dans ma vie qui m'a poussé à faire cette chose-là. Je dis, bon, à partir de maintenant, ça y est. Allez, ça y est, je deviens Shomer Shabbat et tout, pour l'honneur d'un défunt ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour l'honneur d'un défunt qu'il faut être Shomer Shabbat. Il faut être Shomer Shabbat parce que c'est une flamme et ode. C'est pour ça qu'il faut être Shomer Shabbat. C'est pas parce que... Même s'il le fait pour un défunt, peut-être qu'après il comprendra. Bon, c'est déjà après, un commencement. Si après, la raison. Après, il comprendra s'il cherche à comprendre. S'il cherche à comprendre. Loi Arpot Ksil Bitvuna. C'est-à-dire, si quelqu'un, il ne va jamais vers la Bina, jamais, ce n'est pas la Bina, elle ne va pas venir le chercher. Si quelqu'un, il se débine, comme on dit en français, débiner, ça veut dire qu'il s'enlève la Bina. Il se débine. Il enlève la Bina. Alors, jamais elle va venir. Elle ne va pas venir le chercher. C'est pas, la Bina, elle n'est pas intéressée. C'est lui qui doit être intéressé par la Bina. Alors maintenant, pour que quelqu'un vous l'habituez à chercher la Bina, il faut que dans la méthode, ça soit une méthode de mochine, c'est-à-dire une méthode d'esprit, pas une méthode de combat. C'est une méthode d'esprit. Alors c'est ça que Rabbeinu veut faire ici, dans le Tikkun HaKlali, le principe de la méthode du Tikkun HaKlali. C'est dit, écoute, n'essaye pas avec eux d'agir au niveau des midot. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rabbeinu dit dans la première Torah, il dit, un fou, on ne peut pas commencer à parler avec lui, parce qu'il est fou. Il est fou, c'est tout. Après, on peut devenir fou comme lui, si on l'écoute encore. Non, c'est pas ce qu'on peut dire, mais lui-même, vous pouvez pas, un fou, vous pouvez pas, comment vous voulez faire avec lui? Il y a qu'il faut rentrer quelque chose en lui qui fasse qu'il est plus fou. Alors Rabbeinu, il dit que la Torah, ça fait sortir de la folie. Quand on fait rentrer de la Torah dans quelqu'un, à chaque fois qu'il rentre de la Torah, ça y est, il sort un peu de la folie. Après, à un moment, il est plus fou. Au moment où la folie, elle est sortie de lui. Maintenant, quand quelqu'un fait des avérotes, il rentre de la folie. C'est écrit « En Adam over avera, la nechmas boru achtout ». Quelqu'un qui fait une avéra, c'est parce qu'il est devenu fou. Mais maintenant, quand la folie, elle est rentrée, elle reste là. Il a fait une autre avéra, encore un peu de folie, encore un peu. Après, il est fou complètement. Qu'est-ce qu'il est fou? Il n'a plus de discernement dans les valeurs. Il n'a plus de discernement dans les valeurs. Il faut maintenant le soigner. Il faut lui faire une cure de désintoxication. Des valeurs de ce monde. Et ça, il faut agir avec Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, ça veut dire on va monter, on va aller réparer l'origine de ce qui a été atteint le plus. Ce qui a été atteint le plus, c'est quand le concept, il a été atteint. Quand le concept, il a été atteint, c'est une catastrophe. Parce que après, quand vous pouvez parler avec la personne des heures, ça ne sert à rien. Si le concept, il est tordu, ça ne sert à rien. Parce que le concept même, il n'est pas bon. C'est pour ça que vous voyez toujours les Oumot HaOlam, les Goïm, ils essayent toujours de copier les Juifs dans tout. Pourquoi les fêtes qu'ils font et tout copient les Juifs? Pourquoi ils ne font pas des fêtes, ils n'inventent pas des fêtes à eux? Pourquoi ils ne s'inventent pas des fêtes? Pourquoi il faut qu'ils copient? Que ça tombe telle, cette période, il faut que ça s'appelle Pâques ou il faut que ça s'appelle comme ça. Pourquoi? Tu as besoin de faire Pâques, fais autre chose. Hein. Fais les Coupes du Monde football ou ce que tu as envie. Pourquoi tu es obligé de faire des trucs comme nous? Parce qu'il sait que si il ne fait pas quelque chose qui ressemble à ce qui est vrai, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre, comme je dis l'autre jour, le Lachon HaKodesh. Pourquoi maintenant tu fais une langue dans laquelle il y a des mots en hébreu, dans ta langue? Pourquoi tu fais une langue avec des mots en hébreu? Fais une langue où il n'y a aucune trace de l'hébreu du tout. Mais Dieu, on ne peut pas. Si on fait une langue où il n'y a aucune trace de l'hébreu, on ne pourra pas communiquer du tout. Ce n'est plus une langue du tout. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait avec le latin. Ils ont dit que c'était la Shana Kodesh. Le latin, il y a beaucoup de mots de la Shana Kodesh. Bien sûr, ça n'existe pas. Une langue où il n'y a pas de la Shana Kodesh. Racine, tout, beaucoup.